Donc oui, on peut aller sur la place Belle. Oh la masse Pokéball, ça c'est cool ça. Merci beaucoup pour les screens. Très très bien. On peut aller par là, histoire 2, mais bon, ce sera très très intéressant. Il se passe jamais rien sur la place Bellecour, niveau Pokémon. Quoique, il y a une reine. Bon, il y a un Ronflex déjà, donc je le sens pas. Flagado 641, au carnage, Voltali, Aqualy, Aquaquack, Loclass. Ok, bon, l'arène niveau 6, place Bellecour. Il manque ça avec le... je suis crevé. Mais je vais pas la prendre. Hein. Et l'œuf, ça ratata. Non, pas... 10 km, c'est pas possible sans ratata. Bah apparemment il y a une chance d'avoir des trucs tout pourris dedans, quelqu'un a dit, j'espère que c'est faux parce que je veux être très mal le vivre. Cours. Il veut pas, il a une putain de perche sur le dos. Et un nom de Calendor qui dit, Crane en tout cas, tu vois, tu disais que tu arriverais toujours à gérer le chat, peu importe le nombre de viewers, ça c'est parti pour faire des reproches. Mais je te sens dépassé là, Kappa. Non, il y a un Kappa, ça va. Ah bah, tu me trouves dépassé là. Je trouve qu'on gère bien, mais on est deux. Regarde, on a triché en fait. Le moyen de gérer, c'est de gérer à deux. C'est impossible voilà. Quand il est hors. Enfin, moi je gère le Twitter aussi, c'est pas facile. Mais c'est. Enfin. Parce que je suis en Wi-Fi sur une clé 4G. Donc c'est la clé qui est en 4G et qui renvoie la 4G en Wi-Fi sur deux téléphones différents. C'est pour ça. Alors, je peux vous montrer où je suis d'ailleurs. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré, mais vous n'allez pas voir grand chose. Mais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Pigeon. Hop, hop. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Mais oui, c'est vrai que ça éclaire plus que. 10 km, on peut avoir un Evoli, mais Evoli, c'est quand même bien. Que l'éclairage réel. Ok. Ah, dans quelques instants. Dans quelques instants, l'œuf 10 km. Ah là là. Ah là là. Vive la Saint-Oreille 5317. Eh oui. Alors là, il y a un autre Pokéstop sur le côté. Ah, dans Paris 15e, un gros Pokéstop, les fesses du Jardin Noir. Alors, on continue d'avancer. Oh! Pourquoi tu veux que je mette un slow-mo? Tu peux pas besoin de slow-mo. Molly. Ah, l'éclosion, vite! C'est l'heure. Il est l'heure, vous êtes prêts? Vous êtes chaud? C'est le moment de couper de live. Allez, bonne nuit tout le monde, on sort. C'était sympa, à la prochaine. Je vais juste bouger un petit peu parce qu'il y a des bancs avec des gens qui dorment. Je vais essayer de pas les déranger. Donc on va avancer. On va aller suspense, par là. Il fait exprès. Voilà. Allez. Tam, tadadam, tadadam, tam, tam, tam. Attention, c'est parti. L'œuf 10 km, on y croit. Allez, donne-moi un Pokémon que j'ai pas ou un Pokémon cheaté. Fais-moi rêver. Un Lipoutou, mais oui, c'est pour Maudit. C'est un spécial Maudit sur la fin du live. C'est magnifique. Pourquoi je ne l'ai pas souhaité, celui-là? C'est parfait, un Lipoutou. Un Lipoutou 707. Voilà. Voilà. Maudit, je disparais. Quelque chose... J'ai disparu du layout pour bouder. Ce troll de l'œuf 10 km. Mais je n'en avais pas, donc je suis quand même très très content. Choc Psy, 3 attaques à 40, c'est pas dégueu. Par contre, faudrait le faire, l'upgrader pour que ce soit vraiment intéressant. Mais voilà, un petit Lipoutou, le troll. Le troll total. Mais c'était rigolo, un petit ratata derrière. Ah, il faut que je remette un œuf par contre, Alors, on se prend le ratata. Ça va, Maudit, tu boutes pas? Non. Allez, reviens. Je sais pas si t'es revenu. Oui, je suis revenu. On peut pas chasser des Pokémon sympas. On peut chasser des Pokémon sympas à Lyon. Ici, on trouve un crâne d'Ivée. Ah, nice. Il en est où? On fait que c'est tant attendu. Il sera peut-être sur le prochain live avec un peu de chance. Non, mais tu es jalouse de la voiture de Lipoutou. Attendez. On va faire évoluer. J'aimerais bien choper mon level 20. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen. Bon, je vais pas utiliser un 9 chance. Quel mais bon Pokémon j'ai trouvé. J'ai plein de Pokémon que je peux potentiellement faire XP, c'est pas rentable sans l'œuf chance, mais on va pas tout le temps utiliser des œufs chance de toute façon. Et j'aimerais bien. Je peux ce que j'aimerais bien. Faut bien faire des trucs. Ah oui, passer level 20 pour avoir les Hyper Balls. 682 le rat attaque. Très bien. Il y a personne qui live presque à ce temps-là. Et oui, oh regarde là-bas ce qu'il y a. Tu l'as vu? C'est donc quoi un petit Voltali 488, un Voltali 888, un Insecateur 913. Et c'est une arène que je pense que je peux prendre. Donc on pourrait peut-être potentiellement aller prendre cette arène. On m'en met du troll. Je pense qu'il manque beaucoup trop d'XP. Non, il manque beaucoup trop d'XP. Je ne pourrais jamais. Je ne pourrais jamais avec les... avec ce qui me reste. Il y a un Aqualy dans ma chambre, il est mignon. Est-ce que mon Pyroli... Remets un œuf. T'as remis un œuf? Non, j'ai pas remis un œuf. Merci de m'y faire penser. C'est les viewers, c'est pas moi, c'est pas les viewers. On va mettre le 2 km. Ils veulent que tu fasses l'arène. Ah, ils veulent que je fasse l'arène. D'accord, bon, on va aller faire l'arène. Voilà, un petit œuf 2 km.
c'est pas grand chose, mais comme ça, si on chope un 10 km derrière, on sait jamais, hein, sur un coup de bol, on pourra le Liputu. Non, mais j'y crois pas. Le Liputu, ce troll magnifique. C'est la TV, c'est truqué. Je vois les commentaires dans les screens. Ok. Liputu, il y en a. D'accord, ok. Loup sur les faiblesses aussi. Oui, je vais regarder sur les faiblesses. C'est ça. Je vais regarder sur les faiblesses. Je sais plus lequel je voulais. Celui où vous voyez le nom de viewer. Voilà. Ok, transféré, oui. Non, j'ai pas retweet, je vais répondre. Et je vais citer. Alors, on continue, on devrait choper un 9 d'ici pas trop longtemps. On fait. Attendez, je vais faire ça. Je vais faire ça en off. On veut voir le Pokédex. Tu veux voir le Pokédex? Je garde mes deux œufs, Lyon, 10 km à ouvrir quand je te croise sur Lyon. Ah oui, mais attends, faut pouvoir le croiser et faut pouvoir faire les 10 km. Bah oui. Alors, il y a les deux Pokémon qu'on n'a pas réussi à choper. C'est le Nidorina et le Tentacruel. Tout le reste, on a réussi à les choper. Mais vous voyez, il en manque beaucoup. Hein. Il en manque énormément. C'est ça qui est assez insane. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Ah, il y a un petit recul. Prochain live, on up level 20. Et on va choper donc les Hyper Balls. Je ne sais pas si ça se chope beaucoup. On verra. En tout cas, j'arrive d'avoir pas. Réussi à confirmer. J'arrive confirmer pas à faire les 5000 viewers, c'est énorme. 5200. Non, mais voilà, on les a confirmés, mais c'est pas juste, on a fait une petite au-dessus, puis hop, direct derrière, les personnes sont parties. Non, on est à 5200, plus 5000 plus depuis quelques minutes déjà. Ça fait hyper plaisir. 282, ok. Il y a tellement de Pokémon en ville, what the fuck. Et oui. Un autre recul. Alors. Le Pokémon dans l'œuf, c'était un Liputu. Mais je vais essayer. Bon, je vais juste le retweet. Oui. Tu mets quoi, œuf des 10 km à éclos, c'est un spécial maudit et tu mets le screen? Mais non, parce que j'arrive pas à. J'arrive pas à faire. Non, mais j'arrive pas à faire un tweet correct. Non, mais là, je suis tellement fatigué, j'arrive plus. Oui, j'avoue. T'inquiète, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Alors. On en profite. Ah oui, les gens de la campagne, si vous voulez créer des Pokéstop, collez des stickers dans la rue. Apparemment, ça fonctionne. Quoi? Il y a des Pokéstop stickers, quoi. Un œuf ou toujours pas? Non, toujours pas d'œuf. On va continuer d'avancer. On va avancer vers l'arène. Allez, c'est parti. Mais si, on te voit, Gwenaëlle. Et Talion First qui fait un dindon et qui dit: voilà, GG Crane et Maudit pour nous donner des lives comme ça. Et un gros GG au Modo pour le boulot effectué avec autant de monde. Ben, merci vrai. À toi. GG la modération. Un gros GG à Maudit. Maudit qui a quand même accepté de décaler son live à demain soir parce qu'on avait l'opportunité de faire cette soirée de folie sur Pokémon Go. Et sachant que demain, j'enregistre Aventure, donc je pourrais pas live. Et l'après-midi, en plus, on se tape le dentiste. Donc un grand merci à Maudit d'avoir bien accepté de décaler. Et sans qui cette soirée géniale aurait jamais pu avoir lieu. Voilà, des bisous. Et des bisous à la modération, et des bisous à tout le monde. Voilà, faites-vous des bisous même entre vous, c'est important. Non, vraiment pas. Amicaux. De loin. De loin. Voilà. Allez, on chope les petits Pokémon parce que ça fait des poussières. J'ai bien refait le 283, hein, c'est quand même du. Ah, ça c'est mieux! Gros. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un hotshot, c'est mieux. Je vais faire ça. D'accord. J'ai du mal. Aujourd'hui, je suis. On est à combien? 5h10, ça fait 5h que je me balade. 5h que je me balade. Maudit Alger, mais tellement. C'est gentil, ça a été un peu. Il a ouvert le 10 km. Oui, il y avait un Liputu. Vous voulez que je mette un Liputu à côté de moi pour que vous compreniez qu'il y avait un Liputu dans l'œuf? Non. Il n'y a pas besoin. Mais c'est ça, il n'y a pas besoin. Hop. Oui. J'ai chez pour Liputu. Ah, merci. Ah, de suite, au scooter. Ouais, j'avoue. Bonne soirée. Les Pokéstop qui font peur. 4500 n'a pas trop baissé dans le Maudit, c'est M-O-D-I-I-I-E. C'est bientôt la fin. Maudit, M-O-D-I-I-I-E. Ah, j'ai tellement hâte qu'on récupère les indications. Oui. Imaginez, ou un truc, et on se dit, mon Dieu, on pourra partir à la chasse. Là, il manque ce petit côté de partir réellement à la chasse. J'avoue. Et ça marche. Avec les petites pattes. Trop vite. Il faut pas aller trop vite. L'œuf Nicki Minaj. Allez. On va se faire cette petite arène. Ce sera un bon moyen de terminer le live, je pense.
enfin on va pas terminer tout de suite, c'est-à-dire on fait l'arène, ensuite je vous laisse un petit peu avec Maudie et moi en vocal, je cacherai la caméra pour que vous ne sachiez pas où j'habite, bien évidemment, et je rentre, et vous, et puis voilà. Merci beaucoup pour les follow sur, sur mon Twitter, j'ai eu 100 abonnés. Très gentil. Ah non. Hyper potion, ouais c'est bon, mon pyrolyse s'est fait, c'était dégagé. Et 157 pour Crane, merci beaucoup. 157 quoi ? Follow Twitter. Oh c'est nice, c'est très très nice, merci beaucoup. Je regarde jamais. Un petit ramolos dans l'œuf de 5 km. Bah, c'est toujours sympa. Envoie Maudit au 733-33. Maudit au 733-33. T'as les vraies références, toi. Eh oui. Allez, on va voir. Ah, les Pokémon proches qu'on peut pas chasser. Ils sortent quand le jeu, normalement, dans la semaine. T'es niveau combien? Moi, je suis niveau 11. Je sors beaucoup moins parce que je suis cantonné à l'appartement en général parce que j'aime pas. Mais tu fais ça tellement bien. J'aime pas sortir. J'aime pas. Son Twitter c'est CraneJV. Alors hop, que vous avez juste au-dessus. CraneJV et moi, Maudit M0DIE. Maudit au 6-12-12. Maudit au 6-12-12. Donc n'oubliez pas, prochain live sur Pokémon Go, selon le temps, hein, bien sûr, il y a toujours des contraintes, ou autre. C'est mercredi après-midi et mercredi soir, du coup, mercredi toute la journée. On verra ce qu'on va faire, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire, peut-être qu'on ira dans les ruines cette fois-ci, les ruines gallo-romaines. Les EX que chopés sur Pokémon TCGO, alors, un Genesec et un Méga Tortank. Et Eden qui fait un don et qui dit « Je t'aime mon Crainou, content de ta réussite, sois merci pas beaucoup. Jalouse, Maudit. » C'est très très gentil. Bah, enfin voilà, hein. Pourquoi tu veux que je sois jalouse alors que j'ai aidé à mettre en place ça? C'est la fierté. Hop. Alors, je crois qu'il y a des gens... Attends, est-ce qu'ils sont sur l'arène? Non, ils sont pas sur l'arène. Ils sont en train de discuter entre eux. Je farm à Sydney. Très bien. Je sais pas. Je sais pas viser. Très bien. Le farm d'Electech. À Sydney, il y a des Electech. Ok, on arrive donc sur la place, devant l'arène. On se prend un petit roucou l'avant. Et on va essayer de faire ça. Je vais avoir besoin de vous parce que je connais plus. Je connais pas toutes les. Est-ce que je peux le faire en étant assis? Ça me ferait tellement du bien. Tellement du bien de m'asseoir tout de suite maintenant. Mais vous avez pas la référence, c'est pour ça que vous comprenez pas. Oh là là. C'était oh pour Dieu. Le live de la Saint-Valentin avec Crane et Atto et Fanny. Yeah. Alors, nous avons. Alors, il y a un Voltali, donc électricité, c'est sensible à quoi? Électricité, c'est sensible à quoi déjà? Je vous écoute. Donc, électricité, il y a deux électricités, donc. Non, c'est pas une relie. Il y a plante. Ah, mais c'est tout? Attends, il y en avait plus avant. Ah, il y en a que trois là. Ah, ils ont perdu un niveau, je crois. Je suis déjà sorti la première fois. Mais Roche, mais roche, j'ai pas. Roche et sol. Roche, j'ai pas. Et pub du bonheur. Ah, si, Flagados, c'est quoi? Non, c'est pas ça. La tristesse du bug des trois pattes. Conquias. Alors, sol seulement, sol dragon. Non, mais j'en ai pas. Hein. On est d'accord. Hein. Ah, l'œuf de 5 km. Avec le tentacool. Je fais quoi? Je fais le flagados. C'est pas top. Hein. C'est pas top. Désolé. Prends un feu. Bon, c'est alors, tu fais ta stratégie. On regarde ton arène. Opsi, flaga. Feu sec, kiff, kiff. Mais sol, j'ai pas. Mais Pyroli, il va tous les buter. Ok, on va faire Pyroli. Et pour un sécateur. Pour un sécateur. Bah, c'est vrai, Pyroli sécateur. Pour un sécateur. Pyroli, ou un vol. Pyroli, il va pas pouvoir faire les trois. Hein. Pyroli va mourir. Tu peux pas dire ça, mais en tout cas, faut pas que tu mettes à Aquacoc. D'accord, Aquacoc, il va se faire défoncer. Et le Flagados, je peux pas. Mais le psy, mais Flagados, ouais. Flagados en deux. Ouais. Ok. Flagados se fait défoncer, Léo. Ah oui, Léo. Il est non, il est. Par contre, je peux peut-être mettre le Voltali. Ouais. C'est vrai que tout ça, c'est haut. Hein. Tous mes gros Pokémon sont hauts, en fait. Je peux peut-être mettre le Voltali en Voltali sur un sécateur. Gros, mais gros Pokéstop en encore. Et en troisième, on va se mettre le Roucarnage en troisième. Ça me paraît bien. Et après. On va se mettre le Roucarnage. Très bien. On va se mettre le Nosferalto. Tant pis, hein, on va faire ça. Hein. Tant pis, on va faire ça. Ratatak en 1, carrément. Tu veux que je mette un Ratatak? Mais il est pas top. Oui, mais il est pas. Oui, mais c'est pas con. On va faire ça. Attends. Après, c'est Pyroli. Après, c'est Voltali. Après, c'est Roucarnage. Après, c'est Nosferalto. Et après, type psy faible contre insecte. Attaque, Pyroli, Voltali, Roucarnage. Oui, c'est exactement ça. Allez, c'est parti.
C'est parti, petite arène. Allez, c'est parti. Tu vas gagner. Et crois-moi. Bruine avec les HL, ça passe, oui. Oui, Ratata, il a tunnel. Faut que tu maintiennes longtemps, tu sais. Oui, je sais. Et pour l'instant, il faut que je charge. Oui. Non, ça a bugué. Ah, t'as cliqué à côté. D'accord. Parce que tu peux changer de Pokémon pendant le combat. Je vais faire mon attaque sur le deuxième Pokémon. Mais si c'est... Ok, c'est bon. C'est quoi le deuxième? Je me souviens plus. Ah, c'est Cutter? Ah non, Voltali encore. Ultra laser. Oh, ça lui a pas fait tant mal que ça. Ah, il a pas de tunnel du coup. Non, il a pas. Il sera mort avant. Bah non, il a pu faire l'attaque, attendez. Tu peux faire l'attaque. Non, non, le Ratatak, il a presque défoncé deux Voltali. Donc on va pas se plaindre. Il est à 700. Il va mourir, c'est pas grave. Oui, il a 725, quoi, il a défoncé. Allez, on va faire. Oh! Oh! Voilà. Il m'a défoncé. Oh, ça l'a heal. Ça l'a heal. Super efficace. Oui, on va le défoncer. T'as l'attaque chargée. Vas-y, ouais. Vas-y. Oh, trop classe. Oh là 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 là, ce que tu lui mets. Ah mais il prend sa raclée là. GG. Et voilà, défoncer les arènes à 1h du matin. Eh oui. Par contre, j'arrive pas à le tuer. J'arrive tout simplement pas à le tuer. Ah oui, il lui reste 2 points de vie, genre. Ah, tu vas mourir en plus. C'est bizarre. Si c'est un bug. Non, c'est bugué. Ouais, ça. Et voilà, et vous êtes morts en même temps, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Bravo, tu as gagné. Bon, t'as gagné quand même. J'ai gagné quand même. Allez, objet, rappel, ratatac. Ok, hyper potion, pyroli. Hop, super potion, ratatac. Ça c'est fait. Et on y retourne. On y retourne direct. Ah, mais elle a même pas perdu un niveau, la reine. Oh là là. Il va falloir c'est brûler. Vrai? Oui, oui. Putain, que tu pourquoi farmes. Pourquoi j'ai plus mon ratatac en premier? Ça arrive souvent ces bugs. Mais là, les arènes, elles sont trop buggées. Et le scarabrut? Le scarabrut, c'est quoi comme attaque? Je pensais. Tu veux changer la team? Scarabrut, je testerai bien avec Scarabrut juste pour le voir. Le bug du 1PV. Scarabrut suivi de Ratatak, suivi tu de. Tu esquives en faisant comme ça, droite-gauche sur ton écran. Suivi de. Non, c'est pas ça. Suivi de Voltali, suivi de Roucarnage, suivi de Nosferalto. Je vais voir ce que ça va donner comme ça, juste pour voir, je suis curieux. Le Ratatak a été très très efficace. Hein. J'avoue. On va voir ce que ça donne lui. Ah, c'était bien. C'était pas la 4G, la 3G ça suffit. Non, il se fait défoncer. Hein. Ça marche pas. Hein. Je peux pas faire l'attaque. Bon, elle est toute buggée cette arène. Oh, ça l'a bien défoncé, t'as dit donc. Je le vois plus. C'est buggé? Un peu buggé. J'essaye de maintenir. Sacrifice, ça te fait du dommage aussi ou pas? Non. C'est pas du tout. Ouh, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. Bon, je le défonce après. Avec le ratatac. Allez, GG! Bon, en fait, ça aurait fallu que tu gardes ta team de tout à l'heure. Oui. Bah, le pyroli va prendre moins cher. Ah, mais il s'est fait heal tout à l'heure, donc non, c'était pas très très important. Allez. Mais oui, c'était mieux avec la team de tout à l'heure. Allez, ultra laser. Ça consomme okay, pas beaucoup de forfait internet, juste le jeu. Oh, il m'a défoncé. Ah oui, comme ça, le pied. Mais on choisit sa team niveau 5 en cliquant sur une arène. Il fait un petit peu ce Voltali, il me fait son grosse attaque deux fois de suite. Il est cheaté. Un petit peu de l'abus. Hein. Et là, j'ai pas pris de heal par contre. Tu peux faire ton attaque, GG. Ok. J'espère tu vas mourir avant. Pouvoir... Ouais, j'ai réussi à la faire avant, c'est bon. Pas de panique, c'est bon. On va pouvoir switcher et le finir avec Voltali. Super efficace. Ah mais si, Voltali est très très fort contre lui. C'est parfait. Ok. Donc normalement, la reine est passée niveau 2. Ça devrait être plus simple
pour la suite, on continue. Bah en fait, vous attaquez en même temps la reine, et du coup vous apparaîtrez à plusieurs dans le combat. C'est tout. Ok, des super potions. Et les gens me montrent leur magnifique cabuto. Une potion normale, et on peut y aller. Donc cette fois-ci, on va refaire... On va refaire... Ah bah, c'est carrément passé niveau 1, donc je peux directement y aller à Pyroli Voltali. Donc c'est bon, on va, pouvoir, on va commencer par Voltali. Ça, c'est chaud de ne pas avoir d'arène et de Pokéstop en campagne. Mettre... voilà, Roucarnage en 3, et puis ça ira bien. Allez, go. Go. Ouais, c'est une IA, ouais. Mais c'est les Pokémon deux personnes qui existent vraiment. Mais par contre, après, les combats, c'est contre une... contre des bots, quoi. Allez. On peut faire une attaque. Voltali a utilisé Tonnerre. On peut faire le deuxième Tonnerre, et là, logiquement, ça devrait le finir. C'est bon, c'est gagné. Est-ce qu'on a réussi à prendre l'arène? Oui, on a réussi à prendre l'arène. Moi, je joue en 3G+, ah, voilà, hein, ça fonctionne. Une petite arène prise... GG. Tu vas mettre quoi dedans? Je vais mettre mon plus gros Pokémon, du coup. On va mettre super potion, ça va suffire pour le healer, mais oui, c'est parfait. Hop, on prend la reine, on met un Pokémon. Pour l'instant, c'est juste des soft ban pour l'effet GPS. Voilà, un joli Flagados. Un joli Flagados. Voltali, il est classe. Ah, Flagados. Là-bas. Une arène qui est niveau 3, d'accord. Avec pas spécialement de gros Pokémon. Bon, voilà. On va donc là, normalement, on peut aller voir voilà, Flagados, MVK. Ah, la classe. La voilà. Classe. Ça rapporte quoi de tenir une arène? Bah, je vais vous montrer. Si vous allez dans boutique et que vous allez tout en haut à droite, disponible maintenant, que j'ai un Pokémon placé dans une arène, tu as assigné un Pokémon, tu gagnes 500 poussières et 10 monnaies du cash shop. Donc voilà, j'ai gagné 10 supplémentaires. Mais si j'avais plein d'autres Pokémon, bah, ce serait multiplié par le nombre de Pokémon là. Que j'ai dans des arènes. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre plein de Pokémon dans des arènes avant de choper sa récompense. J'ai réussi à rajouter mon reflex avant que la batterie meure. GG pour ton reflex 1200. Bon, Maudit, je te propose de switcher de scène. Et les gens pourront toujours m'entendre. Ouais. Et moi, je vais rentrer tranquillement. Et voilà, vous aurez juste ma voix. Et voilà, mais tu fais quoi après? Tu continues à streamer? J'arrive, non, je leur fais un petit coucou. Mais voilà. après on arrêtera le live. Oui. Voilà, on s'en fuira. Donc voilà, par contre, si tu lances un combat contre un truc craqué, et que t'es en combat et qu'on voit pas la position, tu veux dire. Il y a quelqu'un qui vient de reprendre mon arène là. What? Sérieux? Ah oui, les bleus ont repris. Attendez, faut que je montre. Attends, avec un Nosferalto. Non, mais je vais le défoncer. Avec son Nosferalto 848. Mais ça veut dire qu'il est juste à côté de toi. Ou alors il vit à côté et de sa chambre il peut le faire. C'est possible. C'est très possible parce que bon, là il y a des bâtiments à côté. Super potion. Le Flagados. Putain, le Flagados il s'est fait dépop. Il s'est fait défoncer mon Flagados. La tristesse. Et heureusement que t'avais fait le shield avant. Hein. Bon, j'aurais repris. Hein. Oh mince, non. Pourquoi ça a utilisé un 9 chance? Attends, je veux pas utiliser un 9 chance. Alors, je ne sais absolument pas pourquoi ça a failli m'utiliser un 9 chance. J'ai cru que ça allait l'utiliser. Hein. Oui, c'est bon, t'as tout caché? Je peux aller... Toc, oui, c'est bon. Ok, c'est parti. C'est parti. Le mec, il te voit de sa chambre, c'est totalement ça. Non, mais c'est obligé. Encore c'est un obligé. Tuteur. Ou alors, il GPS act juste pour le reprendre parce qu'il a vu où t'étais. C'est possible. C'est possible. Can. Voilà. Dans quel état doit être mon épaule? Il prononce Can. Surprise. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, évidemment, merci pour ce gros live. Sur la fin du live, merci beaucoup, vous avez été très très nombreux, une pointe à ça. Voilà, non bleu, non rouge, très jaune. Voilà, vous avez été juste une pause, je crois, ce soir, donc c'est quand même assez exceptionnel, merci beaucoup. Je vous fais un bisou et voilà, je suis bientôt là. Vous avez été exceptionnel au niveau des subs, évidemment. Et des follow, des follow Twitch. Et des dindons. D'ailleurs, je vais vous dire ça. Et oui. Tac, dashboard. Ah. Il y a eu previews. Aujourd'hui. Ah oui, donc attends. Qu'est-ce que tu regardais? Je sais pas comment. Hier. Ah non, c'est ça. Le dernier live c'était le 17, c'est ça? Oui. Donc le. Oui, c'est ça. Et donc hier. Je vais leur donner plus de secrets. Mais en fait, je sais pas comment. Parce que vu qu'on a fait. Non, mais tu sais, vu qu'on a streamé sur deux journées étalées là. Donc je peux pas vraiment vous dire. On essaiera de voir ça quand j'arrive. Mais en gros, 1000 follow encore. 1000 follow sur la chaîne. Vous vous rendez compte, j'ai fait 40 000 follow en 2 ans. Et en une journée, on fait 1000 follow. Ça voudrait dire qu'en 40 jours, je pourrais faire autant qu'en 2 ans de stream. C'est exceptionnel. Merci à tous. Alors, ça sert à quoi les off-chances en fait? Ça double ton XP pendant combien de temps d'ailleurs?
Comme quoi, hein? Pendant 30 minutes. 30 minutes. Et comme quoi, c'est quand même très intéressant, parce que ça prouve qu'on peut encore avoir des idées, qu'on peut encore faire des nouvelles choses et avoir des nouveaux concepts. Il y a quelqu'un qui va arriver demain, ça se trouve, qui aura un super concept et qui peut totalement exploser. Et ça, c'est génial, c'est hyper encourageant. Les éditions de code sur l'étagère sont en anglais, oui. Oui. Ah, Pyroli. Touk. Non, un petit Evoli. Evoli, pardon. Mais c'est un petit, donc ça fait juste des bons mots. 1, 2, 3. Voilà. Un petit bonbon pour rentrer. Ça sent le poisson pané. C'est pas vegan. Yeah. Voilà. Ah, c'est très sympa cette petite promenade ce soir. Sauf tout permaban, les utilisateurs de PGPS. Apparemment, sauf ban pour l'instant. Ban. Oh, je vais pas vraiment sortir tout ça. Je sais pas quoi en penser. Comme on disait avec Modi, l'idéal ce serait que les gens qui soient sur GPS, c'est pas qu'ils aient pas le droit de jouer, c'est juste qu'ils soient sur un serveur à part. Ouais, parce que ça casse le jeu. Si vous voulez vous retrouver avec des Pokémon qui sont pas du tout de la région, complètement craqués dans les arènes, et après ça pète complètement le jeu quoi. Donc c'est débile. C'est débile parce qu'il y a du PVP dans le jeu. Après, si c'était juste de la collection, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, ça casse les jeux intimes. Eh oui, Ludovic, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Par contre, en streamé, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose. Tu as combien sur 151 Pokémon dans le Pokédex? Oui, je vous, tu peux regarder. 60. Petite promenade de 6 heures, c'est ça. 60 attrapés, 62 vues. On en est loin, on a encore beaucoup de choses à faire. Hein. C'est ça qui est assez incroyable aussi. Hein. C'est ça. Même si les nouveaux Pokémon vont être difficiles, mais ce sera d'autant plus jouissif à chaque live. Oui, non, je sais qu'on a fait 2000 follows. C'est pour ça que je dis qu'on en a refait 1000. Alors, un petit note. Oui, ou pas le droit de faire d'arène. Ouais. Ou pas le droit de faire d'arène, oui, voilà. Oui, s'il voulait juste collectionner les Pokémon pour se faire plaisir, bah pourquoi pas. Ah, c'est peut-être, oui, pour pas déséquilibrer au niveau des arènes ou des combats. Mais on peut pas trouver tous les Pokémon du jeu, il y a des Pokémon exclusifs à chaque continent. L'Europe, c'est Monsieur Mime. Asie. Asie, c'est Canartichaud. Amérique du Nord. Tauros. Mais pourquoi cette musique me perturbe? Ah, j'ai rechopé un œuf, je vais vous dire combien de kilomètres il a. Comme ça, on saura pour la prochaine fois. C'est pas ça. Alors. Mais de toute façon, les Pokémon exclusifs, on pourra les choper. Australie Kangourex. On pourra les choper dans les œufs, donc c'est pas grave. Alors. Je suis bientôt merci arrivé. À vous d'avoir suivi le live, évidemment. Oui, merci beaucoup. Et n'oubliez pas surtout de faire un petit follow sur la chaîne Twitter de Modi et sur la chaîne Twitch de Modi. Et demain soir à 23h, vous aurez sur la chaîne de Modi son live spécial 6000 follows avec du Choice Chamber. Donc je compte sur vous. Moi, je ferai un enregistrement d'Aventure. Aventure, qui est une série qui est sur le bazar du grenier, sur les jeux de rôle, avec l'équipe Joueurs du Grenier et Bob Lennon et Maillard en tant que MJ. Et du coup, vous pourrez tenir compagnie à Modi pendant quelques heures sur Choice Chamber, qui est un jeu où les viewers peuvent participer. Donc vous pouvez lui mettre des bâtons dans les roues ou au contraire l'aider directement pendant qu'elle joue. Voilà, ah, voilà. Donc la chaîne de Modi, tu afficheras tout ça. Ta c'est au blafé, c'est bon. Touk, je voulais voir un truc et j'ai loupé. Enfin, j'ai pensé à un truc. L'œuf de 10 km à éclos, c'était un Lipoutou. Combien de Pokémon ouais. J'ai capturé 200 et quelques Pokémon, mais des Pokémon différents, j'en ai que 23-24, je crois. Quand il règle le bug des trois pattes, bientôt, j'espère, j'en peux plus. Oui, bah, probablement à la sortie du. Ouais. En France, donc, mon chat sera complètement illisible. C'est vrai que ça sera Spam Chamber. Et oui, aussi, comme prochain rendez-vous pour Pokémon Go, mercredi après-midi. Mais si jamais ils sortent les serveurs, donc on risque d'avoir des petits soucis sur les serveurs. Ouais, ça va être en tout cas, on fera au mieux. On fera au mieux pour le mercredi, pour vous faire un live de qualité, j'espère. On verra. Alors, je suis en train de rentrer, donc ça va tout couper. Bon, même, on pourrait couper directement l'appel. Je te laisse raccrocher, Maudit. J'arrive d'ici un instant. A tout de suite, bisous. Il ne peut avoir de bruit. Voilà, ça fait bizarre de ne plus avoir de son. Et le dos de Yanoku qui dit « Perso, j'utilise un GPS chaque parce que les GPS de mon téléphone ne fonctionnent pas dehors. Après, je m'amuse pas à faire chier les gens sur les arènes. » Ben voilà. Après, quand vous faites... Ben merci pour le dardon déjà. Et quand vous faites vos trucs dans vos coins, votre coin, il n'y a pas de problème. C'est vraiment... Je trouve que ça casse le PVP. Et moi, perso, je trouve qu'en streamer, c'est vraiment un problème de streamer des fake GPS. Je pense que vraiment que ça casse le truc, en fait.
Ça casse le jeu. Après, que les gens y jouent, tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça casse tellement le jeu. Et le délire de streamer avec un fake GPS. Je vais changer le soft goal tout de suite. 713. Sur... Parce que j'avais pas changé sur cette scène. J'avais pas du tout vu que c'était pas modifié sur tout en même temps. Il y a d'autres de Kumiko qui dit bonsoir, c'est quoi le niveau le plus intéressant pour utiliser ces poussières? Vous gérez quand tu fais comme ça. Alors moi je les ai tout de suite utilisées. Mais apparemment fallait pas, faut attendre le niveau 10 parce que tu drops des Pokémon plus forts. Donc du coup tu fais évoluer les nouveaux Pokémon. Je vais fermer Mobizen, hop il est parti. Et Master Panda qui se resub pour la deuxième fois. Des bisous à toi. Et bim le resub. Mais pourquoi vous recevez quand il est plus là? Et Licante qui resub pour la neuvième fois. Et bim le resub. Ça sert à rien, tu sors pas chez toi, voilà. Non, c'est juste que je vois pas trop l'intérêt de streamer Pokémon Go sans bouger, justement. Et de montrer les Pokémon. Ce qui est drôle, c'est de faire « Oh, j'ai découvert un Fantominus à tel endroit », vous voyez. Des choses comme ça. Bon, là, il va arriver. Je suis en train de décéder. Je vais aller boire. Et je vais vous abandonner. Il monte les escaliers, attention. On peut pas capter le son du tel avec Mobizen, je crois. Je crois qu'on peut pas. En tout cas, nous, on met de la musique en fond, donc voilà. C'est bon? Ah, il se met devant le ventilateur. Il danse devant le ventilateur. Bon, allez. C'est parti. Je vous laisse. Poké MMO, oui, je connais. J'ai essayé. C'est plutôt sympa. Et j'ai essayé Pixelmon aussi. Mon Twitch, c'est maudit avec 3i. Je vous l'envoie. Et je file. Et je vous dis à demain. Ou à mercredi pour ceux qui seront là sur le live de Crane. Des bisous. Non mais arrête, viens là. Cette danse. Ah bon. Je colle, bon bah très bien. Mais moi aussi en fait. Oh. Oh. Ah j'ai bobo. J'ai bobo. Oh là là, je brille, j'en peux plus. J'en peux plus. Quelle soirée. Quelle soirée. Attendez, je vais remettre le son. Attends, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. On remet le son. Sur les haut-parleurs, normalement, vous avez de la musique en fond. Alors, il y a quelqu'un qui se réabonne. Dimitrios qui se réabonne pour la cinquième fois. 5 mois de soutien. Merci à toi, Dimitrios. Des bisous et bim, le resub. Merci beaucoup. Un grand, grand merci. Oh mon Dieu, quelle soirée. Quelle soirée, vous savez qu'on a failli pas le faire, hein. Qu'on a failli pas le faire parce que j'ai passé la journée avec le comptable et que du coup je me disais, bah Maudry stream à 23h, on va faire un petit stream de 21h à 23h ou même un petit peu plus longtemps, mais on pourra pas être disponible tous les deux plus de 2h. Et on en a discuté avec Maudry, on dit c'est vraiment dommage, demain toi en plus t'es pas là, j'ai aventure à faire et on s'est dit ce soir il faut qu'on fasse une soirée Pokémon Go. Et voilà, et on a fait cette soirée et on a complètement défoncé le record, 5300 viewers, c'est incroyable. Crane l'aventure, il manque une partie entre la partie 5 et 6 d'un nouvel aventurier. On ne voit pas l'activation du piège, seul qui désinvoque le cheval. Ah mince, ça je suis pas au courant par contre. On dirait une tomate bien mûre, c'est ça. Crane Life Done. Et nous avons un dindon de Knokir. Est-ce que la progression sera sauvegardée avec un compte dresseur de Pokémon à la sortie du jeu? Je crois que oui. Je peux pas te l'assurer, mais je crois que oui. C'est des comptes internationaux, comme dit Modi. Tu payes combien le forfait 4G? Pour l'instant, ça t'embête pas de le dire. Je sais pas, parce que pour l'instant, je fais que du hors forfait. Donc, je pense que je vais complètement me faire défoncer. On verra. On a eu un verre luisant pendant le live et maintenant, on a le crâne luisant. Exactement. Go. J'ai fait 8 km. Vous voyez, c'est pas énorme. 8 km. Beaucoup moins que l'autre jour. 8 ou 9. Tu sais comment on demande à placer un Pokéstore? J'en ai aucune idée. Absolument aucune idée, Hachikuji. C'est tout à ton honneur, Crane, tu le mérites. Merci beaucoup. Merci pour le live de qualité à toi et Maudit. Et gros GG au Modo. Mais oui, j'ai vu que ça n'a pas été facile pour eux à certains moments. C'est quoi ton but dans le jeu, Crane? Compléter le Pokédex, avoir la meilleure team, le plus d'arènes. Moi, j'aime bien. Compléter le Pokédex, c'est assez cool. Trouver des gros Pokémon forts, ça me fait plaisir. Avoir un Ronflex et un Pikachu, c'est les deux choses que j'aimerais bien faire. Très sympa ton setup au scotch et oui, la Facoon. Bah, c'est pour ça. C'est un peu pourri, mais c'est pas grave. Et Tomboy qui nous dit coucou, peut-on acheter des Poképièces déjà? Oui, tu le peux déjà. Moi, j'en ai déjà acheté. J'ai mis 19,90€ dans le jeu, principalement pour prendre des. Je remettrai, je pense. Mais je ne conseille pas spécialement les gens de le faire. Attention, moi, je le fais parce que j'ai envie de sortir, de voir qu'il y a des gens et d'essayer de créer des espaces un peu communautaires. Et comme vous me faites des dons, bon, bien sûr, il y en a une partie que j'utilise pour vivre, c'est normal.
normal, mais pourquoi pas investir une petite partie de ses dons pour pouvoir prendre des leurres, par exemple, et faire en sorte... Et Morgane qui nous dit GG pour ce live et les précédents au top. Merci Morgane, des bisous. Merci beaucoup à tous pour le soutien. J'ai eu un ronflex dans l'os d'œuf, mais 590 PC, la PLS. Oui, j'avoue, mais quand même GG pour le ronflex. Donc voilà. Oh, j'ai mal à l'oreille. Crane avec un compte Google à la sortie, ce sera pas reset. Bah, j'espère bien que non. Crane, c'est quoi ton starter? Tu l'as fait évoluer? Non, je l'ai pas fait évoluer pour le moment. C'est un salamèche. J'ai trouvé qu'un seul salamèche, je crois, en plus. Super live, Crane, c'était intense. J'ai passé une super soirée, c'est cool. Et nos Coribay pour ton live incroyable. Crane, merci beaucoup du soutien. Vous êtes adorables. Merci beaucoup. J'espère pouvoir continuer longtemps. J'espère qu'on trouvera une solution pour la clé 4G. C'est quoi tes mangas derrière Crane Live? Oh, il y en a plein. Il y a l'intégrale de Dragon Ball, il y a l'intégrale de Ken, les deux sont en japonais, l'intégrale des Chevaliers du Zodiac en français, beaucoup de mangas de Katsura, juste derrière moi que tu vois pas, il y a l'intégrale de Berserk, enfin l'intégrale, ça en est au 37 je crois. En tout cas, Crane, merci pour ce super live, des bisous, je file me coucher, bonne nuit à toi. Crane, vu que ton live est bientôt fini, à mon tour de sortir chasser, amuse-toi bien. Crane Live, il y avait quoi dans cette œuf de 10 km? Alors un Lipoutou, c'était le troll, mais j'avais pas de Lipoutou, donc je suis quand même content. Faut toujours combiner l'heure pour ensemble. Non, mais c'est mieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est de combiner un endroit avec deux, voire trois Pokéstops, c'est l'idéal. Trois Pokéstops avec des leurres, donc toi, tu mets un leurre, et les gens autour mettent aussi un leurre. Et là, dans ces cas-là, tu claques ton encens. Là, c'est très intéressant. Je suis chez ma meilleure amie, on écoute ton live, tu peux lui dire bonsoir. Bah, bonsoir à la meilleure amie de KL, de Cléa. Voilà, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais bonsoir. Alors, attends. Crane, tu as quel âge? J'ai 34 ans. Oui, je sais, on se demande quand je joue à Pokémon. Moi, j'ai découvert Pokémon il n'y a pas très très longtemps. Hein. Donc, je savais que ça existait, hein, parce qu'il faut vivre dans une grotte pour pas savoir que ça existait. Mais je connaissais rien. Quand je connaissais 3 Pokémon, c'était pas ma génération, ça m'intéressait pas. Et j'ai découvert grâce à Maudit et grâce au jeu X et Y. Et depuis, je m'éclate bien dessus. Salut Crane, je suis arrivé à Lyon. Salut Grand Tooms, peut-être qu'on se croisera mercredi, je pourrais rester un peu avec toi, bien sûr. Du coup, du côté setup, pas caméra, en tout cas, je passerai. Bah oui, du moment que tu me tiens pas la jambe, tu me laisses faire le live, mais que tu sois à côté et qu'on discute un petit peu de temps en temps, ce sera avec grand plaisir. Tu lis japonais? Non, plus maintenant, j'ai fait 3 ans à la fac de japonais, mais c'était il y a tellement longtemps, je l'ai pas travaillé depuis, donc c'était il y a beaucoup trop longtemps pour que je puisse encore avoir quoi que ce soit. Est-ce que c'est rentable la 4G, car j'ai l'intention de jouer à Pokémon Go à l'extérieur? Si tu joues à Pokémon Go à l'extérieur et que tu le streames pas, t'as pas besoin de beaucoup de connexion, hein. Moi c'est vraiment de le streamer qui me prend masse connexion. Pour ceux qui ont peur de perdre leur compte quand le jeu sortira, vous inquiétez pas, je suis en Belgique et j'ai gardé tout à la sortie. Ici même l'APK est reconnu comme étant le vrai, le Play Store. Et un autre d'un nom de Tomboy, comment on fait pour iPhone? Je n'arrive pas à acheter de Poképièces. Ça par contre je peux pas te dire pour iPhone parce que j'ai pas un iPhone. Peut-être quelqu'un sur le live pourra t'aider, moi je ne pourrais pas t'aider, mais encore merci pour le don. Crane ressemble à Woody dans Toy Story, mais oui. Et Knocker qui nous dit merci pour ce live et pour ta réponse. Et à l'inverse, est-ce que sur un compte Google la progression sera sauvegardée à la sortie officielle du jeu? Je pense que oui, mais je ne peux pas vous l'assurer. Mais comme nous l'a dit, qui c'est qui nous l'a dit? Zatoichi, lui qui vient d'avoir la sortie en Belgique, et bah tout a été sauvegardé. Bonne nuit Karim, j'étais sur le pont tout à l'heure avec le groupe qui était assis, la prochaine fois viens boire un coup. Très bonne soirée en tout cas, bonne soirée à toi aussi Azioc. Black, merci de la réponse. Crane Live, superbe live en tout cas, merci Ibrom. Crane Live, si tu veux des mini Draco va au parc Miripel, jeune âge mercredi, il y a que ça là-bas avec des Evoli et des Magikarp. Bah ça m'intéresse, je pensais j'aimerais bien y aller aussi, mais le seul truc c'est que à une après-midi où il fait très très chaud dans un endroit que je connais pas, je suis pas j'aimerais éviter de brûler, donc de savoir un petit peu où je peux aller, mettre à l'ombre, toutes ces choses là vous avez vu déjà hier, je suis sorti, j'ai bien fait gaffe et je suis quand même un coup de soleil géant, même si étonnamment avec les lumières blanches on le voit très très peu. 34 ans tu les fais pas, bah merci. Crane, les Pokémon XS et XL, t'as une théorie? Bah non, là je sais plus du coup, j'avais une théorie mais je crois qu'elle est foireuse. Tu dis pas que ce live va peut-être te lancer un peu plus et tu vas commencer à attendre une plus grosse communauté? Bah à atteindre, bah je serai avec grand plaisir. Moi je ne demande que ça. Crane, tu stream sans pantalon? Moi je vis en slip, nous sommes complémentaires. Bonne soirée Majack. Crane, je viens d'attraper un Aguacuac. GG à toi et Rayemi Kari. Crane, tu faisais quoi avant d'être streamer? Je faisais des vidéos sur jeuxvideo.com et avant j'ai fait un million de métiers différents, que ce soit tech info, barman, des métiers de manutention, tout ce que tu veux. Crane, tout à l'heure, je texte à l'extérieur, la connexion n'est pas bonne du tout. Ah mince, en Belgique, pas de problème de sauvegarde, je m'en porte garant. Super, pour info, Mew est un Pokémon mystique, donc capturable dans les jeux et les 3 oiseaux légendaires, et Mewtwo seront capturables par évente, Crane, je sais pas si tu le savais. D'accord. Crane, magnifique ambiance sur ton stream, nous dit Ripro, merci beaucoup. Félicitations, Crane, pour ce live, la qualité vidéo est vraiment au top, même les Américains à 25 000 viewers n'ont pas une aussi bonne qualité que toi. Ah, ça c'est cool. Crane, à lire et répondre aussi vite, tu me fais penser à Julien Leperche. Le Perche, je ne sais pas pourquoi. Le jeu est sorti officiel au Canada. Aussi, j'ai encore ma sauvegarde. C'est cool, Crane. Tu as fait combien de kilomètres depuis que tu as DL le jeu? J'ai pas pris avec moi, mais je pense que je suis à 40 km, quelque chose comme ça. Crane, du coup, même un peu plus. Tu stream jusqu'au lever du soleil? Non, je vais m'arrêter. Oh, une maudite.
Tu n'imagines pas le calvaire des gens en couple Ukraine, un qui joue et l'autre qui va subir les balades. Comment ça, je vais m'y faire? Eh oui, tu es level combien maintenant? Quasiment level 20. Alors ça m'embête un peu parce que je stream pas avant mercredi et j'ai un peu peur de passer mon level 20 avant le stream. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé le passer en stream. On verra, on verra. Je vous ai découvert ce soir, continuez comme ça, je viendrai en tout cas. Merci beaucoup. N'oubliez pas, mercredi après-midi, on remet ça pour une longue balade. Krelav, je viens de te découvrir. Je t'aime, assez gentil, Elliptique. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai trouvé sac de nœuds et comme un débile, je l'ai vendu au prof sans faire exprès. Ça, c'est dommage. J'espère que t'en retrouveras. Bon, allez, bonne nuit, les gloulous. Kren et Bolly, encore GG pour les 5317 viewers. Et oui, Kren, tu vas devenir le streamer spécialiste français de Pokémon si tu continues entre PGO et TCGO et peut-être Pokémon Moon et Sun, qui sait. Quand tu laisses sortir Maudit la prochaine fois, là. Non, c'est elle qui a pas voulu sortir. Moi, je lui ai proposé de sortir et elle a pas voulu sortir ce soir. Mais elle est beaucoup plus dé que moi pour la régie et pour réagir sur vos tweets, sur vos fan art, sur vos Pokémon. Donc on est très complémentaires sur ce coup-là, même si c'est vrai que de temps en temps, je pense qu'elle aimerait se balader, mais pas spécialement en live. Crane qui regarde par terre en disant « Oh, une maudite !» Oui, parce que j'ai une... mon appart, il est tout bizarre. En fait, il y a une... c'est une toute petite pièce qui fait moins de 2 mètres de plafond. Et en bas, pour que la lumière puisse passer, il y a du verre à certains endroits. Et donc, j'ai vu maudite dans la pièce d'en dessous. Quand tu... Ah oui, ça, j'ai lu. Un jour, Kren, j'irai à Lyon pour te voir et faire Pokémon Go. Pourquoi pas, Quentin? Krenlev, tu sais, il sort quand en France l'appli de Pokémon? Il y a des rumeurs pour comme quoi mercredi, jeudi, mais j'en sais pas plus. Bon, allez-vous, je suis complètement HS. C'est l'heure de vous laisser, c'est l'heure de vous abandonner. Pour ceux qui le veulent bien, enfin, je mets jamais de pub pendant mes lives, mais en fin de live, j'aime bien mettre 3 minutes de publicité pour ceux qui veulent soutenir de façon passive, c'est-à-dire vous coupez le son, vous enlevez Adblock, et ça fait toujours un petit bonus pour moi. Donc je vous remercie énormément si vous le faites. Je vous fais des bisous, je vous abandonne. Demain soir, n'oubliez pas le live de Maudit à 23h sur sa chaîne Twitch Maudit, M-O-D-I-I-I-E, et live spécial 6000 follow avec du Church Somber, et mercredi après-midi, on se retrouve de nouveau, sur, comment ça s'appelle? Sur Pokémon Go, et je vois qu'Atomium est toujours en live, donc je vais faire un petit host d'Atomium. Je vous mets 3 minutes de publicité, et après on fait un petit host d'Atomium pour les gens qui restent. Il est en train de faire de la réalité virtuelle, donc ça peut être sympa. Des bisous, je m'en vais, je vous mets la publicité, et après je lance le host sur Atomium. Des bisous, ciao ciao tout le monde, bye bye. Ah oui, bonne nuit les gloulous, voilà le texte. Alors, c'est la webcam qu'il faut que j'enlève. Voilà, c'est bon. Bonne nuit tout le monde, ciao ciao.